Mesdames et messieurs, bienvenue. Un nouveau numéro, Tribune de presse. Vous le savez très bien, c'est un espace pédagogique. Nous permettons aux gens d'écouter la bonne nouvelle, c'est vrai, la bonne information. Nous demandons surtout aux gens d'être assez attentifs, de suivre l'émission, pas avec passion, mais avec raison. Parce qu'ici, ce n'est pas du colportage, ce n'est pas des rumeurs, c'est beaucoup plus de l'information traitée par les professionnels du secteur. Et là, je reçois pour la première fois... c'est d'abord, à la base, un journaliste, et puis devenu avocat, puis constitutionnaliste, enseignant à l'université, chef des travaux, donc dans peu de temps il sera professeur certainement, et Laurent Onyemba, avec qui on a des très bonnes relations, et surtout, aujourd'hui vous voyagez beaucoup, Laurent, il faut le dire quand même, vous voyagez beaucoup, si pas en France, au Canada, si pas au Canada, aux États-Unis, vous avez même participé à un séminaire, je sais pas si c'est autour de la constitution, de la gouvernance, ainsi de suite. Parle-nous un peu de vos déplacements multiples en ce moment. Bon, écoutez, je vous remercie énormément, c'est un plaisir pour moi d'abord de venir sur Congo Base, qui est un média. Moi, je suis heureux de vous voir aller sur ces lancers parce que je connais vos potentialités et merci. Que je peux vous dire avec exactitude que vous êtes consommé aujourd'hui parmi les véritables médias qui sont consommés par la diaspora. Merci beaucoup. Je vous ai suivi, j'ai été dans plus de 10 salons au Canada et j'ai trouvé votre image plantée avec ce décor que je revois aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est l'occasion de vous saluer. Merci. Je ne pense pas que je sois aussi en bonne relation avec vous. Nous avons un rapport... très avancé, je suis très attaché à des valeurs familiales. Merci. Mais aussi à des valeurs intellectuelles. Et donc, le travail que vous faites est un travail qui nous intéresse. C'est l'occasion donc de vous saluer. Mais quoi de plus normal que d'être en face d'un ami que vous n'avez pas encore présenté? Et donc, je ferai un peu le journaliste que je sois en face de Perrault. Mmh, d'accord, ça me facilite, ami, allez-y. un grand ami, mais aussi, je le vois encore en train de conforter les pasteurs, chemin de la vérité, je le vois... à Digital Congo, un peu comme l'image Digital Congo, et donc fier de ces analyses. Je l'ai suivi la fois dernière sur le plateau de Congo Base, mais aussi sur le plateau de Kiosque. Je l'ai suivi à l'étranger, donc pour moi c'est un grand plaisir de vous retrouver aussi, mais surtout saluer les grandes équipes qui vous accompagnent, merci, qui croient en vous. Ce n'est pas toujours difficile dans ce contexte où, oui, on n'a pas généralement ce qui va avec, mmh, je voulais dire l'argent, mmh, et que les jeunes et des amis tous croient en vous. Merci beaucoup, Laurent. C'est fondamental. Et donc, merci. Je vous encourage énormément. C'est un plaisir. Alors, parce que vous n'avez pas eu de voyage. Oui. Écoutez, c'est très naturel, les voyages. Quand on fait des recherches, je ne suis pas professeur, je suis chef de travaux. Je n'aime jamais usurper les qualités. Je suis chef de travaux, je suis avocat. Je suis chercheur en droit. Donc, vous n'êtes pas encore docteur comme Vital Caméré. Je ne me réclame même pas comme journaliste, sinon... Je risque d'énerver des savants comme Évariste Beauchamp, de Donné Kalouba, Paul Gaspard Ngonakoya, André Mbata et tous les autres. Donc vous n'êtes pas encore docteur comme Vital Caméré? Bon, écoutez, cette question tire à polémique. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Je vois deux sons de cloche. Il semble que la thèse a été reçue, mais avec possibilité d'intégrer certaines orientations. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Alors, tu sais, moi, je ne consomme pas beaucoup ce qu'il y a dans les réseaux sociaux pour être vrai. Très bien. Mais je salue ce travail. Les gens peuvent beaucoup critiquer, mais ne devient pas docteur qui veut. Très bien. Alors, Perrault Loara, c'est la deuxième fois, troisième fois, je crois. Hein. Je ne me rappelle plus, mais ce qui est vrai, c'est que vous êtes un habitué de cette émission, mmh, sinon de cette chaîne Congo Buzz. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes avec Digital, il faut dire. Vous étiez allé même au point devant l'inspecteur. Ouais, vous êtes allé devant l'inspecteur. Vous avez rencontré l'avocat de Digital qui vous a lamentablement descendu. Est-ce que vous perdez espoir? Bon, merci beaucoup de me recevoir également ici. C'est toujours un grand plaisir de revenir ici. Et je t'avais dit la première fois que je t'ai passé ici que bon, on est amis, on est frères. À chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je salue également mon grand ami Laurent Onyemba. C'est une des intelligences qu'on a dans ce pays. Je suis très fier d'être proche de lui. C'est des valeurs intellectuelles sur lesquelles les pays peuvent compter demain pour avancer. Donc, c'est un grand plaisir. On salue également toute l'équipe qui t'accompagne ici et tous nos téléspectateurs. Bon, je suis tellement mal à l'aise aujourd'hui de parler des Digital Congo. Je voudrais vraiment que les responsables de Digital Congo règlent ces problèmes pour que finalement, je tourne la page de cette maison qui ressemble de plus en plus, pas de plus en plus, mais qui est aujourd'hui un tombeau blanchi. Une maison hantée, vous voulez dire? Une maison hantée, une maison en ruine. Ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouvait dans une situation où on avait 15 mois d'arriéré des salaires, parce que les choses doivent être claires. On a eu 15 mois d'arriéré des salaires et nous avons déclenché un mouvement de grève. J'étais président des agents de Digital en ce moment-là. Madame Jeannette Kabila, qui est
propriétaire des Digital Congo. Honorable aussi. Honorable député, donc. Mmh. Elle est propriétaire des Digital Congo. C'est elle l'actionnaire majoritaire de cette maison. Elle est également présidente du conseil d'administration. Avait dépêché sur place M. Mougalou, l'ambassadeur Mougalou. On a négocié avec eux. On a trouvé un terrain d'entente. Mais malheureusement, au finish, ils ont suffisamment violé la procédure dans leur façon de faire. Tenez, ils devaient nous payer les arriérés. Ils ont payé une partie. Après, ça a pris du temps. Et finalement, ils ont décidé, comme ça, de fermer la barrière à une cinquantaine d'agents. Donc il y a 50 personnes qui sont interdites d'entrer à Digital Congo, sans notification, sans raison valable. Nous sommes allés devant l'inspecteur du travail. Hier, on avait un tout dernier rendez-vous avec eux. Ils ont envoyé leur avocat qui est venu nous tourner une scène assez rocambolesque. C'est Laurent est là, il est juriste. Je ne sais pas, moi je suis... j'ai envie d'avoir un diplôme de droit, mais ce que j'ai vu, ce que leur avocat a fait... Et la lettre qu'il a pondue, écrite dans une langue qui s'apparente au français, je me demande vraiment comment Digital est allé prendre ce monsieur-là comme avocat. Mais au finish, ils ont dit qu'ils sont prêts à discuter des questions liées au décompte final des gens, mais il y a d'autres personnes qui sont exclues. Clairement, c'est un vrai théâtre de chez nous, malheureusement tourné par des bouffons qui n'ont pas réussi à faire rire même des petits garçons de 2 ans. Alors, mais il faut rappeler aussi en même temps que vous avez été instrumentalisé par Moïse Katumbi, parce que tout le monde veut partir là-bas, alors c'est Moïse Katumbi qui tire la ficelle pour régler le compte à Kabila, pour régler le compte à la famille. Que dites-vous? Je l'ai dit ici dans cette émission la dernière fois, les gens doivent être reconnaissants. Digital Congo a vécu pendant longtemps grâce au soutien de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi envoyait des vestes pour les présentateurs. Moïse Katumbi donnait de l'argent à Digital Congo par son homme Frédéric Tengekikumba. Et lorsque Moïse Katumbi a eu son divorce avec Kabila, c'est là que la maison a commencé à broyer du noir. Parce que la maison devait finalement revenir à la famille Kabila qui en est propriétaire et ça créait des problèmes. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous sommes instrumentalisés par Moïse Katumbi. Mais non, il est question de droit. Nous demandons à Mme Jeannette Kabila de payer les gens. Mais ils disent de nous qui sommes à l'extérieur que nous sommes utilisés par Moïse Katumbi. Ils ne connaissent pas la réalité. Moïse Katumbi a un pion à l'intérieur de Digital Congo, un vrai djihadiste qui s'appelle Gaston Lubangui. C'est ces messieurs-là qui se présentent comme directeur administratif. Et tout ce qu'il fait, lui, c'est dénuer l'administration de ses lettres de noblesse. Il est grand frère propre à Frédéric Tengekikumba. Il a à un moment donné dirigé Nota Télévision, qui est la chaîne de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Si Moïse Katumbi est un pion aujourd'hui, c'est à l'intérieur du Digital Congo. C'est M. Gaston Lubangui qui est, pour moi, un vrai taliban administratif. Et d'après nos informations, il a encore parlé, peut-être ce matin, avec Moïse Katumbi. Donc Moïse Katumbi n'instrumentalise pas les agents qui ne réclament que leur argent. Très bien. Alors, ce qui est vrai, mesdames et messieurs, ça dérange quand même. Laurent, vous avez été aussi dans des chaînes de télévision, vous savez comment ça se passe, ces choses. Mais comment ça peut expliquer que ce sont plutôt les patrons de médias qui sont installés dans le pays, qui sont intégrés financièrement, qui ont des postes assez élevés, mais qui n'arrivent toujours pas à payer les journalistes convenablement? La caporalisation, la clochardisation, c'est quoi le problème? D'abord, je commence par toute ma... Comment dirais-je, ma solidarité avec mon ami Epero. Ce n'est pas un cas qu'il faut prendre de façon isolée en pensant digital. C'est d'abord un conflit de travail. Parce que si vous parlez des individus, en ce moment-là, le débat n'a plus de sens. C'est un conflit de travail. Et donc, je voulais le consoler en disant, n'importe quel avocat normal n'a pas besoin d'aller étaler, je ne sais pas, une panoplie d'arguments. Parce que quand on est à l'inspecteur du travail, c'est uniquement un cadre préalable pour saisir le juge du travail. Et donc, à ce niveau-là, je ne vois pas qu'est-ce qu'un avocat vienne... faire pour... quel argument il va donner? Il nous a pondu... Je te donne les informations. L'avocat envoyé par Digital Congo a fait une lettre de plaidoirie. Comment vous appelez ça? Une lettre de plaidoirie, dans lequel il incrimine certains de nos camarades. Il dit par exemple que Digital Congo est prêt à payer les décomptes finales des tels, mais pas des tels parce qu'il prestait déjà ailleurs, pas des tels parce qu'à un moment donné, il a travaillé avec quelqu'un qui n'a pas donné d'argent. Il a pondu une lettre de 3 pages, en tout cas, ça veut dire uniquement que déjà au niveau de l'inspecteur du travail, on ne fait pas une plaidoirie, mais que ce n'est pas à lui d'apprécier qui paye quoi. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Et deuxième chose, j'ai la lettre avec moi. C'est l'inspecteur qui a la latitude de régler le litige, et que si l'inspecteur n'a pas réglé le litige, l'inspecteur fait signer le PV de non-conciliation, qui est en fait le préalable pour saisir le juge du travail. Et donc, toute ma solidarité, mais aussi la question fondamentale, l'homme de Katumbi. Tu sais, Katumbi est devenu comme une sorte de blanchisserie politique que tout le monde veut voir. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'être katumbiste, on l'accuse de ceci. Mais heureusement qu'il a dit, et Digital Congo a eu le soutien
énorme de Nyota Télévision. Nyota Télévision, c'est la chaîne de Moïse Katumbi. Nous, on pensait même que Digital était une autre chaîne. Bon, mais écoutez, il n'y a pas seulement que Digital. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui ont été soutenues par Moïse Katumbi à Kinshasa. Mais Digital un peu plus quand même. Digital un peu plus. Comme, ça, on doit le reconnaître. Comme des médias qui étaient attribués à comment on l'appelait, AKM, Augusté Katumba Mwake, mais après la mort, on a appris que c'est sorti du patrimoine, il y a à boire et à manger. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi nous créons des médias dans ces pays? Les acteurs politiques créent des médias pour qu'ils soient assassinés, un peu comme des pasteurs créent des médias aujourd'hui pour qu'on chante leur nom dans les églises. Vous trouvez normal qu'un média, au-delà de diffuser la parole de Dieu, a une vocation publique, et que dans un média, à longueur de journée, c'est un Congolais lambda qui parle de prophétie, qui parle de voyager, qui parle de mariage, qui parle de visa. Et tout à l'honneur du peuple congolais. Je dis tout à notre déshonneur de remarquer que les pasteurs ne font que ça. Et donc, il n'y a aucune vocation quand on crée des médias. Moi, j'ai le statut, aujourd'hui, je ne sais pas si on m'a enlevé ce statut, à Africa TV, j'ai le statut d'associé. J'ai encore une copie originale certifiée conforme des statuts. Je pense que ça n'a pas évolué après moi. Mais quand chaque fois qu'on a été dans des réunions avec les autres responsables des médias, les mêmes problèmes reviennent. On a besoin de créer des médias. À la fin, c'est pour des fins politiques et politiciennes. Mais en réalité, les médias ne répondent pas au cahier des charges comme dans une dimension professionnelle bien suffisamment structurée. Et donc, nous disons que Digital Congo, je ne pense pas que Mme Kabila Jeannette soit aussi en difficulté pour résoudre ce problème. Sinon, ça saute aux yeux, ça fait très sale. Et donc, nous pensons qu'il faut qu'on puisse résoudre ce problème. Aussi. Très bien. Christian, peut-être avant de finir ces dossiers, je profite parce qu'il a parlé de Mme Kabila, qui suffisamment, véritablement, ne manque pas des moyens pour résoudre son problème. J'ai saisi l'occasion ici pour lancer donc un appel solennel à Mme Jeannette Kabila, qui est député national, parce que moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre quel qui est député national, ça veut dire quelqu'un qui est chargé d'élaborer les lois, puisse autant accepter que dans sa propre chaîne de télévision, que les textes et les lois soient suffisamment maltraités comme on est en train de le faire à Digital Congo. Mmh. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, elle était lors de la mandature dernière, président du conseil des sages de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quelqu'un appelé à concilier les vues entre les députés. Mmh. Comment elle, qui a brillamment fait ce travail, est aujourd'hui désintéressée à pouvoir éteindre les feux qui s'allume, qui est allumé dans sa propre maison. C'est donc anormal. Donc, l'honorable Jeannette Kabila, je vous lance un appel solennel. D'ailleurs, lorsque l'ambassadeur Mugalo, qui était son émissaire lors des négociations, était venu, il nous a dit que c'était une mère, il faut régler des problèmes en famille, mais je me rends compte que toutes les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été respectées. Donc, j'en appelle à l'honorable Jeannette Kabila pour que finalement, qu'elle regarde un peu cette situation. Moi, j'en ai marre de parler de Digital Congo. J'ai tellement envie de tourner la page de cette affaire. Mais aussi longtemps qu'ils ne répondront pas à la loi, aussi longtemps qu'ils ne respecteront pas nos droits, je serai dans l'obligation d'en parler. Parce que là, j'en ai marre. Puis, pour terminer complètement, j'annonce ici que nous avons demandé à nos avocats de porter plainte contre l'administrateur actuel de Digital Congo, un certain monsieur Lambert Kaboy, qui est à la fois DG de l'ACP, là également il y a très de problèmes, nos confrères de l'ACP veulent descendre dans la rue contre cet homme. Il est à la fois chef des travaux à l'UPEN, il est colonel à l'armée, il est à la RTNC, il a la présidence et il est administrateur digital. Donc c'est lui qui gère Digital Congo. Nous pensons que cette gloutonnerie, une même personne ne peut quand même pas à la fin du mois sucer autant les caisses de l'État, payer à l'armée, payer à l'UPEN, payer à l'ACP, payer à Digital Congo. Nos avocats se sont saisis du dossier. J'espère qu'on va porter plainte contre ce monsieur. Il faut quand même parler de nous-mêmes, journalistes, parfois. Il faut parler de nous parce que nous subissons ce genre de choses. Et j'ai fait un clin d'œil à tous les journalistes qui croupissent encore aujourd'hui dans la misère, dans la dictature administrative et surtout dans ce que moi j'appelle la clochardisation planifiée. Alors, Laurent Onyemba, les journaux des postes parlent plutôt de quelque chose c'est intéressant. Lumbi applaudit Fachi qui l'en remercie en public. Vous avez certainement suivi la déclaration de Lumbi qui ne voyait pas d'obstruction de son déplacement ou du départ de certains membres dans la Mouka. Et quand on suit encore un autre monsieur, j'oublie le nom, qui a dit que la Mouka était en train de préparer son atterrissage en douceur. Vous qui êtes très proche de Moïse Katumbi, donc de la Mouka, mais je dois rappeler que ici déjà vous avez déjà prédit la mort de la Mouka deux mois passés, est-ce que vous êtes en train de voir l'accomplissement d'une prophétie ou vous êtes certainement en train de penser que ce sont des défections? Bon, écoutez, ce ne sont pas des défections, je ne fais jamais la langue de bois. Vous savez, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et c'est ça ma force comme politique. Mm.
et comme analyste, je l'ai dit, que du point de vue structurel et du point de vue scientifique, la Mouka avait un but, c'était une volonté de quelques leaders politiques à vouloir être justement au devant de la scène pour une synergie de vues, oublier ses égaux en vue de faire la volonté du peuple, changer la Kabylie qui a géré ce pays pendant 18 ans et qu'aujourd'hui, on n'a plus jamais vu un pays aussi sombré dans le noir comme le nôtre. Et quand vous lisez, entre les lignes, vous voyez que Kabila n'a fait 15 ans, ou plutôt 18 ans, que tout ce qui est pour son intérêt personnel. Si vous voyez l'humiliation dont Évariste Boshab a fait l'objet au Sénat, après tout ce qu'il a pu donner pour Kabila, vous savez, quand on parle de Boshab comme le monsieur 32 millions, vous en savez quelque chose? Les gens ont dit ça. Et je peux vous dire que Boshab n'en était pour rien. Les gens ont lié Boshab à Kamena Tsapou. Est-ce que Kabila payera le prix, justement, de tout ce qu'on a pu coller à Évariste Boshab? Est-ce que vous savez combien de gens ont pu travailler pour Kabila et cette assise qu'il a aujourd'hui? La batterie intellectuelle. Kabila n'a pu travailler que pour son petit frère. Il a nommé son petit frère. Il a fait nommer son petit frère. Je vous l'ai dit, il nommé pas qu'en réalité, il n'y a pas eu élection. Zoé Kabila, vous avez suivi son discours? Vous avez suivi ses deux interviews? Ok? Mais à un moment donné, il était question que les acteurs politiques se mettent d'accord pour résoudre ces problèmes d'abord, faire partie Kabila. Et vous savez que tout ce qui s'est passé quand Kamer part avec Fatih, et la Mouka est restée. Et la Mouka avait pour pion majeur Moïse Katumbi, qui a mis non seulement de son temps, de ses relations, mais aussi de son argent. On parle de pion majeur, c'était plutôt Non, écoutez, je vous donne Demba et les autres. Je vous donne des informations Katumbi fondamentales. Katumbi n'était qu'un fournisseur financier, il paraîtrait. Attendez, vous savez ce que ça veut dire, le fournisseur financier. Vous ne vous retrouvez pas en Suisse, dormir à Radisson Blu, aller dormir à Mercure Hotel, avec le discours et la popularité que vous avez à Lingala. Il faut d'abord quelqu'un qui met les moyens, qui vous donne un agenda. La fondation Kofi Annan n'est pas n'importe quelle fondation. Ok? Et donc, c'est des choses très importantes. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de les écouter, mais je ne minimise pas les autres. Parce que on ne peut pas ne pas parler de Bemba. Mais même Bemba appelle Moïse Katumbi président. Ok? Je ne peux pas ne pas reconnaître la popularité de Fayulu à un moment donné. Parce que dynamique de l'opposition, mais vous ne pouvez pas dire que Fayulu était beaucoup plus populaire que Vital Kamerhe hier, que Boussangamis. Et donc, c'était une synergie. Et après qu'on ait constaté ce qui s'est passé aux élections, moi, je suis heureux parce que vous m'avez appelé prophète. Tout ce que j'ai prédit dans ces pays est arrivé. J'ai dit que Chadari, même si nous allons 50 opposants, Chadari ne serait jamais troisième. C'est arrivé. J'ai dit dans ces pays que les juges consulaires vont devoir démissionner dans 2 semaines. Parce que on était en train de donner l'argent à un groupe de juges constitutionnels et on en a oublié un autre qui travaillait. Ils ont démissionné. Et aujourd'hui, la Cour est restée l'ombre d'elle-même. J'ai dit dans ce pays aussi que la Mouka va être dissous. Ce n'est même pas encore 6 mois. Je t'avais dit dans 6 mois, je vais revenir pour te parler. On était nous deux co-débatteurs à l'émission de mon ami Serge Kabongo. Aujourd'hui, la Mouka ne peut plus exister. Vous nous rassurez que Lumbi et Katumbi sont partis. C'est lui qui connaît la Mouka. Écoutez, Katumbi est un homme de compromis. Mais Katumbi est installé sur une sorte de pyramide. C'est Ensemble, c'est AR, c'est MS de Pierre Lumbi, c'est G7. Moi, vous m'avez appelé très proche de M. Katumbi. Je n'ai pas le pouvoir de vous dire que je suis très proche, mais je crois à cet homme. Parce que Katumbi a eu à me montrer un bilan de ce qu'il a fait. Les gens ne comprennent pas trop bien. Alors moi, je vous dis que ce que Wanga déclare, ce que Pierre Lumbi déclare, c'est ce que Laurent Onyemba a déclaré il y a 8 mois, qu'aujourd'hui, la Mouka n'a plus de sens politique, n'a plus de sens juridique, n'a plus de justification politicienne d'existence, parce qu'il faut que chaque leader politique aille à sa base pour la redynamiser en vue des accords futurs pour la guerre de 2023. Et je sais qu'en 2023, Moïse Katumbi sera le président. Alors, je vous pose à vous la question, Perrault. Perrault, on va lire. Ce sont les propos de M. Lumbi. Il dit, Fayulu, on n'est pas dans une campagne électorale, on est maintenant dans des activités politiques. Moi, je ne peux pas obliger à Martin Fayulu de venir à la vision politique de mon parti. Alors donc ici, il est en train simplement de dire à Fayulu, essaie un peu de comprendre que les choses ont changé. Est-ce que vous pensez que finalement, ils atterrissent en douceur ou c'est un crash? La Mouka
C'est parti en vrille. Christian Bossembe, avant de répondre à cette question-là, je voudrais embrayer sur le même chemin que Laurent Onyema lorsqu'il parle des nénés que nous avons d'ailleurs scientifiquement en commun, Évariste Ebochab. Cet homme, la plupart des gens qui les critiquent, c'est des gens qui ne l'ont jamais fréquenté. C'est des gens qui ne l'ont jamais. Ah, c'est toujours comme ça pour blanchir quelqu'un. Non, 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 je suis pas. Même Kabila, on dit ça aussi. Non, là, si vous le rencontrez, vous ne direz plus, vous n'allez pas dire la même chose. Hein. Vous me connaissez suffisamment pour comprendre que je ne suis pas de la classe des djalolistes. Je suis quelqu'un qui est indépendant d'esprit. Ebochab, c'est quelqu'un sur le plan humain qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la classe politique. Cet homme-là paye aujourd'hui quoi? Il paye son honnêteté et sa loyauté, tout simplement. Autour de Kabila. Oui, il paye aussi son turiférisme. Non, non, attendez. On va dire. Autour de Kabila, il n'y a pas un homme aussi loyal, aussi honnête que Ebochab. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chadari qui l'a dit. Rappelez-vous, c'était au cours d'une grande rencontre du PPRD à Kindou. Chadari s'est mis debout. Il dit, autour de nous, il n'y a personne d'aussi loyal qu'Évariste Ebochab. L'homme a porté les chapeaux des 32 millions de dollars américains, par exemple, alors que tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a pris 32 millions de dollars. Mais c'est qui ? Mais d'ailleurs, le même journal qui avait écrit sur le 32 millions, c'est le même journal qui a dit après que l'argent des 32 millions a servi à acheter le matériel pour Digital Congo. Digital Congo, vous connaissez, Digital Congo n'appartient pas à Évariste Ebochab. Mais au nom de la loyauté de son chef, l'homme n'a jamais ouvert sa petite bouche pour tenter de se défendre. Il a essuyé les tirs en 2015, au sujet de la loi électorale. Non, mais, essuyé les tirs. Non, mais, il a été finalement comme une. Non, mais pourquoi l'a-t-il fait, Parce que c'est un homme des convictions et des valeurs. Lorsqu'il est convaincu de quelque chose, il s'y attache tellement. Et aujourd'hui, il paye tout simplement sa loyauté, sa fidélité et l'honnêteté qu'il a exprimé envers Et son là. Fils qui a abattu un avocat, on va dire ça comme ça. Non. C'est toujours oublié, ça fait toujours l'homme aussi. Je connais suffisamment ces dossiers-là. Ouais. D'ailleurs, là, le dossier de l'accident du fils Ebochab, on attribue cet accident-là à son deuxième fils, et pour, à son premier fils. Et pourtant, ce n'est même pas lui. C'était son deuxième fils qui était dans la voiture. Et ce n'est pas lui qui était chauffeur. Ce n'est pas lui qui était chauffeur. C'est-à-dire qu'il y avait un chauffeur qui a fait un accident, et le chauffeur a été arrêté, condamné. Il a purgé sa peine à Makala. Mais parce que le fils Ebochab était là, il a porté le chapeau. C'est comme toi et moi aujourd'hui, on peut faire un accident. Mais comme on est des Congolais lambda et que personne ne nous connaît, on les passe comme ça. Mais Ebochab, malgré tout ça, il est resté fidèle à Kabila. Et Laurent Onyema l'a dit, voilà comment Kabila le remercie aujourd'hui au niveau du Sénat. Malheureusement, Kabila le remercie comment? Je reviens à la question sur la Mouka. Vous savez, la Mouka était une structure qui a été créée pour le besoin de la cause. Lorsqu'on crée une structure, il faut avoir un objet, il faut avoir des objectifs à poursuivre et il faut définir une ligne pour atteindre ces objectifs. La Mouka a été créée pour les élections. Une fois que les élections ont été organisées, la Mouka n'a donc plus de substance pour justifier son existence. Aujourd'hui, la Mouka, c'est une histoire qui doit être dissoute. Je suis d'ailleurs content d'être avec Laurent Onyema qui a prophétisé la disparition de la Mouka il y a 7-6 mois. Les gens ne l'ont pas cru. Tout en restant dans la Mouka en même temps. Parce que quand il prophétise la Mouka, Katoumbi n'a jamais dit qu'il a quitté la Mouka. Katoumbi n'a jamais dit qu'il est parti de la Mouka. Bon, alors on se dit... Non, en réalité, aujourd'hui, la Mouka, c'est une structure qui ne doit plus exister. Même cette histoire où Fayoulou a tenté de s'accrocher là-dessus en disant aujourd'hui transformant la Mouka à une sorte de plateforme politique, c'était tout simplement un raccordement frauduleux. Parce qu'en réalité, la personne qui doit s'accrocher à la Mouka aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou n'a pas une assise politique comme Katoumbi par exemple, comme Jean-Pierre Bemba. C'est des gens qui incarnent des valeurs. Au moins Fayoulou a décidé, mais Katoumbi n'a aucun parti. Non mais attendez, il y a des gens dans la sphère politique, des gens qu'on appelle des personnalités politiques. Et dans notre histoire politique, nous avons eu des personnalités politiques qui n'ont pas de partis politiques, mais qui valent mieux que des gens qui ont des partis politiques. Vous savez que la plupart des gens qui ont des partis politiques ici, ce sont des partis mallettes, où il n'y a que sa femme et ses enfants. Vous ne pouvez quand même pas comparer les poids politiques aujourd'hui des Moïse Katoumbi à Martin Fayoulou, par exemple. Mais Martin Fayoulou aujourd'hui, il est beaucoup plus connu, hein, il faut le dire. Hein. Non, mais il a tout simplement profité de la situation. Est-ce que vous pensez que si Kabila n'avait pas empêché à Moïse Katoumbi d'être président de la République, Martin Fayoulou serait là où il est? Il s'accroche tout simplement parce que l'homme sait qu'aujourd'hui, sans la casquette Lamouka, sans la casquette des autres leaders, il lui sera difficile de pouvoir drainer derrière lui tous les succès qu'il a obtenus par le concours des circonstances lors des élections. C'est comme ça qu'il s'accroche à cette affaire de Lamouka. Je pense que c'est que Ewanga, c'est qui Ewanga dit est valable. Nous avons fini l'histoire des élections. Il est temps qu'aujourd'hui, chaque leader de Lamouka rentre dans sa base, organise son parti politique et que nous puissions avoir des perspectives pour 2023. Fayoulou peut compter aujourd'hui sur Lisanga Bonganga, il peut compter sur Mozito. Est-ce que ce ne sont pas là des piliers, des assises assez fortes?
J'avais envie de dire que j'ai même pas deux secondes pour parler de cela. Qui est Lisanga Bonganga dans ce pays? Quel est le poids politique de Lisanga Bonganga? Cet homme qui a donné à Félix Tshisekedi la coupe, cet homme qui est allé représenter Félix, qui disait sous impulsion du président de la République, il a tenté de se faire maintenir au gouvernement, il n'a pas pu, et aussitôt après son départ du gouvernement, il dit que c'est Félix qui n'est pas président. Ça, c'est la honte. Les Congolais doivent avoir un peu le sens du ridicule quand même, si ce n'était pas ça quand même. Un mois avant, il disait que le président de la République, c'était Félix. Un mois avant, il représentait le président de la République. Il rate sa nomination au gouvernement. Il sort vite pour dire que Félix n'est plus président de la République. C'est ridicule. Vous parlez de Mozito. Là également, Mozito, moi j'ai toujours dit que Mozito s'est retrouvé dans l'Amouka de manière frauduleuse. Pour moi, Mozito n'a jamais été opposant. Et en plus, Mozito n'a qu'à regarder les rétroviseurs. Mozito a fait plus d'une année à la primature. Et son passage à la primature n'est pas un passage élogieux. Alors, Laurent Nyemba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Amouka, disons, Fayulu peut compter sur Mozito, peut compter sur Lisanga Bonganga, et que même le départ de Moïse Katumbi, finalement, c'est pas vraiment, c'est pas le plus grand choc. Je vais faire juste une petite parenthèse. Vous avez le temps. Pour que ça ne donne pas l'impression ici que nous sommes les défenseurs de Evariste Boshab. D'abord, je l'ai cité, moi je ne suis pas de FCC, je n'ai jamais été de PPRD, ok? Je ne suis pas non plus de... son territoire s'appelle encore Mweka. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, les gens me donnent raison dans le temps parce que je ne suis pas au service du ventre. Quand je te dis qu'il y a deux choses qu'on a collées à Evariste Boshab, du fait d'être à côté de Kabila, Boshab n'en était pas le responsable. Le jour où vous avez besoin qu'on en discute fondamentalement, parce que je n'avance jamais les choses par hasard, je vais venir avec la documentation selon mes petites informations. Je ne vais pas aller le chercher chez Boshab. Je vous démontrerai que les 30 millions n'ont jamais été pour lui. Je vous démontrerai que cette histoire de Kamina Sapou collée à Boshab n'a jamais été pour... il n'en a jamais été à la base. Je vais vous démontrer encore même juridiquement, nous sommes assermentés, avocats, je vais vous démontrer que même si le fils de Boshab pose un acte, il tue quelqu'un, en droit, il y a une qualification. C'est un accident de circulation. Et pas que c'est un accident de circulation, qui pose cet accident-là? C'est un fils de Boshab. Est-il majeur? Est-il mineur? Même s'il est mineur, il est en conflit avec la loi. S'il est majeur, il en répond. Pourquoi il faut remonter à Boshab? Parce que seulement, c'est Boshab. Et donc, c'est normal. Et donc, je ne suis pas son défenseur. Très bien. Nous parlons de vous avez parlé ici de... comment dirais-je? Fayulu, qui a beaucoup plus d'assises que quiconque, parce que Katumbi n'a pas de parti politique. D'abord, je vous informe que Katumbi, à cause justement de la guerre politique qu'on lui faisait, Katumbi ne pouvait pas installer un parti politique. Si Bahati Lukwebo, qui a été au service de la Kabylie pendant des années, aujourd'hui son parti est dédoublé, à comme plus forte raison, Katumbi. Vous n'avez pas vu, vous, la fameuse structure de Sensa s'occuper des dossiers de dédoublement des partis politiques. Mais l'UDP s'était dédoublé, il faut dire. Hein. Aujourd'hui, MSR est devenu MS. Ok, on utilise juste les gens qui sont à côté de vous pour des intérêts à cause des petits montants et les gens de double parti. Et donc, c'était la structure Kabila. Et donc, Katumbi n'avait aucun intérêt politique, justement, et même personnel à créer un parti. Mais je peux vous surprendre que le jour où Katumbi va installer son parti, c'est déjà dans quelques jours, on attendait la décrypation totale autour de Salomon, qui est le conseiller principal. Aujourd'hui, on va devoir mettre en place les partis politiques. Et je vous invite... Est-ce que vous serez le secrétaire général? Je n'ai aucune prétention pour le secrétaire général. Communicateur, par exemple. Peut-être. Ça sera le papy Tamba, par exemple. Communicateur non plus, parce que je connais le travail du communicateur. Ce sont des gens qui font le djalélo au Nima. Je ne suis pas nécessiteux pour faire le communicateur. Mais je pense que je vais être au service de ma nation, au travers des partis politiques. J'écris sur les partis politiques, j'en connais les meilleurs, j'en connais les fondamentaux, pour que les partis politiques participent justement à l'inclusion. Alors, à pourquoi est-ce que Katumbi est plus important que Fayulu aujourd'hui? En termes de popularité. Je dis ceci. Ouais. Si on peut l'analyser honnêtement, pourquoi est-ce que Katumbi est plus important que Fayulu en termes de popularité? Je vais d'abord en venir. Ouais. Parce que quand on parle de popularité, on va aller dans le débat des personnes. Alors, moi, je n'aime pas trop parler de débat. Non, de la masse aussi. Parlons de débat de l'adhésion. Parlons de débat des principes. D'accord. Ok. Quand Fayulu était. Prenons un exemple. Quand Fayulu est candidat député en 2006 et en 2011, va vérifier à la CENI. Tu connais dans ce pays des gens qui ont été élus députés avec 200 000 voix. Ben, ils étaient très proches de Kabila, on va non, savoir. Hein. Non, non. C'était le maire élu à l'époque de Kabila. Bon, je vous réponds à nouveau. Comme on dit, je vous rencontre. Vous avez vu les masses qui sont venues plutôt accueillir Moïse Katumbi après 3 ans de deal à Lubumbashi. Vous avez vu comment il a défié Mouyège à Kolwezi. Et je vous apprends que le jour où Moïse Katumbi va arriver à Kinshasa,
ok, ça va se faire 4 fois plus que ce qui s'est fait à Lubumbashi. Oui, mais et donc, rencontrez-moi. Et donc, au niveau de la popularité, c'est 100 photos, ok, Martin Fayulu n'était que sur... sur plutôt la prise des recommandations. Vous voulez dire le petit poussin sur le dos de la poule. C'est clair. Et je peux vous dire que je ne veux pas aller dans ce que vous m'envoyez. Restons dans les principes. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, pour être républicain, on n'a pas besoin uniquement d'être chef de l'État. Moi, Onyemba, je commence à croire à ce monsieur de Félix Tshisekedi. Et pour moi, encore une prophétie que je vous avance sur ce plateau, je considère que Félix Tshisekedi ne gère que la transition que Kabila voulait nous prendre. Pourquoi je le dis? Kabila a organisé des élections telles que ça devait être Chadaré qui devait gagner. Kabila a organisé, a envoyé une liste à la CENI de 300 députés. Vous m'envoyez, moi, Onyemba, candidat député, je ne suis pas élu. Je connais des gens qui ont eu 1800 voix, 1500 voix, 600 voix qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont dans la liste que Kabila a envoyée à Nanga. Et je vous informe aujourd'hui que Nanga ne parle plus à Kabila. Kabila lui a dit, tu m'as mis en erreur. Bah bon, c'est une révélation. Je dis ceci. Kabila lui a dit, tu m'as mis en erreur. C'est une révélation. Tu devais proclamer Chadari. Comment toi, tu n'as pas proclamé Chadari? Je vais appeler Nanga qui te dise qu'il parle à Kabila au téléphone. D'accord. Mais alors, on va évoluer. Pour terminer, Katumbi a choisi de faire de l'opposition républicaine en disant la meilleure manière d'accompagner les institutions. Tu sais, nous avons gagné beaucoup de choses. Toi et moi. Et Perrault. Kabila voulait se représenter. Excusez-moi, la majorité des Congolais ont une mémoire courte. Aujourd'hui, c'est d'autres qui sont devenus des héros. Onyemba Mbata, le Perrault et le Bossembe, nous avons. On était tout le temps dans des colloques pour que Kabila ne se représente pas. Tu te rappelles le débat de Mirindi? Tu te rappelles le débat de Mirindi? On se rappelle bien, mais on... Alors, participer aujourd'hui à l'action dans l'opposition, c'est ça la vraie opposition, ce que Makatoumbi dit. Très bien. Maintenant, quand vous dites non, une opposition de vérité des urnes, c'est que vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Du point de vue classique et scientifique, il n'y a aucun pays au monde où une opposition a été classée comme une opposition de vérité des urnes. Est-ce que le Mouka ne se choisit pas les leaders? Aujourd'hui, Lisanga Bonganga, je parle de lui. Aujourd'hui, il y a Lisanga. Aujourd'hui, il y a Mouzito. Je vous donne la réponse de Perrault. Je vous retourne la réponse de Perrault. Vous me voyez, Onyemba, venir sur votre plateau en face de Perrault et parler des gens que vous me citez. Je parle de choses sérieuses. Mais ils sont tous sérieux que ça. Non, aussi. Non, écoutez, ils veulent. Écoute, on était exigeants. Oui. Tu sais, nous aussi, nous sommes consultés tous les jours pour aller travailler. Vous me voyez, à mon âge, je n'ai jamais été dans un bureau de l'État. Vous me voyez, je suis dans le secteur privé pour vivre ce que je vis. Vous m'avez dit, je voyage. Vous m'avez vu voyager avec l'argent de l'État congolais. J'ai été conseiller du ministre pendant 6 mois et posé la question les uns pour lesquels j'ai démissionné. Très bien. Donc, vous dites que moi, je viens sur un plateau parler des choses sérieuses. Oui. Quelqu'un qui est ministre après 2 ans et une semaine après, il dit que nous sommes gouvernés par 3 chefs d'État. C'est même malhonnête. Éthiquement, c'est quelqu'un qui est mort. Vous dites que Lisanga Bonganga est mort éthiquement? Je dis ceci. Quelqu'un qui est gouverneur, ministre depuis 3 ans, ok, qui va avec la délégation de l'équipe nationale en Égypte. Qui dit que le président... Dit tout, et une semaine après, il fait un communiqué pour dire qu'il est avec elle. Mais c'est pas lui que sa femme s'était battue avec une autre femme. Ben c'est lui, justement. Donc, ne me ramène pas sur ça. Écoute, lui, Christian, on termine pour avec moi, ça. Je termine pour dire que ce qui est plus important, qui intéresse les Congolais, c'est qu'aujourd'hui, Kabila n'est plus président. Deuxième constante, que Félix a une volonté de faire. Troisième constante, faisons tout pour séparer Félix de Kabila. Quatrième constante, ou cinquième, faisons de l'opposition républicaine. Il faut contribuer à l'action du gouvernement. Je m'en tiens. Sixième constante, Félix doit se désolidariser de ces lots de diaspora qui sont venus, qui n'ont aucune expertise. Très bien. L'expertise est locale et les Congolais, il y en a des garçons sérieux, intellectuellement, éthiquement, qui peuvent faire le travail. Très bien. Alors, tout ce qui reste, ce sont des tomates au service du ventre. Perrault, vous aurez le même temps de parole. Mais là il y a quelque chose d'assez important. Il faut séparer, parce que moi, d'abord, j'apprécie le fait que Laurent ait évolué dans sa logique, parce qu'avant, c'était Kabila, c'était Félix, pas du tout, mais maintenant, là, ça évolue, je suis très content de nous rejoindre sur le chemin, là, parce que nous, on croyait déjà depuis le début. Mais là, on continue, il y a une question de la séparation d'avec Kabila et de la séparation avec la diaspora, qui sont des problèmes fondamentaux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible d'abord de séparer Félix Tshisekedi et les membres de la diaspora? Ce qui est sûr à faire ici, d'abord ça, avant de parler de Kabila, à dire, c'est que Félix est une chance pour le Congo.
On doit en être sûr. Moi, je préfère l'opportunité que chance. Non, moi, je sais que toi, tu es tellement spirituel et que de temps en temps, tu cherches les mots. Bon, Félix, c'est une opportunité pour le Congo. Ça m'arrange. Nous avons eu ici un régime pendant 18 ans qui a mis ce pays à genoux. Kabila, c'était un régime de prédation, un régime de pillage, un régime de corruption. Au moins, avec Félix, on s'est dit... Finalement, Kabila est parti. Parce que le combat à ce temps-là, lorsqu'on Onyema disait que si Shadary se présente même avec 50 opposants, il ne sera pas élu, notre objectif à cette époque-là, c'était que Kabila et son système, ou un homme de Kabila, ne soit pas au pouvoir. Et Dieu merci, Félix a réussi à gagner les élections. Le moyen, la méthode, tout ça, c'est un autre débat. Au moins, il a réussi à mettre fin à Kabila. Quant à la séparation avec la diaspora, il est clairement établi aujourd'hui qu'au sein de l'administration présidentielle, au sein du cabinet du président de la République, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, il règne une sorte de Capharnaüm où on ne sait pas qui fait quoi, qui dit quoi. La plupart des gens qui viennent de la diaspora viennent avec des idées totalement étrangères et ne comprennent pas les réalités endogènes qui se passent ici au Congo. Nous voulons que nous acceptons que ce soit des Congolais, mais dans le fond, le travail qu'ils ont fait pendant 8 mois nous démontre suffisamment que le président de la République n'est pas bien entouré. La plupart des gens qui viennent de l'Europe, ils sont des affairistes. La plupart de ses amis qu'il a ramenés de l'étranger, de la diaspora, ce sont plutôt des affairistes et des gens qui veulent d'une certaine manière poursuivre avec l'État et les mauvaises habitudes nous laissées ici par Kabila. Il est clairement établi aujourd'hui que l'administration de Félix souffre des problèmes. Il faut faire un tour à la présidence. Kabila, malgré ses défauts, il régnait quand même un certain ordre. On avait l'impression, quand on entre à la présidence, que c'est quand même un haut lieu de la République. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous prenez la cellule de communication du président de la République, on sent que les gens s'étiraillent, les intérêts sont tellement divergents. Il est responsable aujourd'hui que le chef de l'État puisse s'asseoir et qu'il dise, voilà, il est temps de créer de l'homogénéité au sein de son équipe, de taper du poing sur la table, de se séparer des mauvaises herbes et de pouvoir continuer. C'est clair qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour du président de la République, surtout ses amis de la diaspora, ne l'aident pas. Alors, je vous garde toujours. Il y a un problème de nationalité qui se pose avec les membres les conseillers du président, les membres du cabinet du président. Il y en a des révélations qu'on a, des gens qui ont présenté des passeports étrangers, mais qui prétendent être des Congolais, qui assument des hautes fonctions. Il y a aussi certains membres du ministère, dans le gouvernement, qui ont été arrêtés, qui ont fait la prison en Europe parce qu'ils ont été frappés dans l'histoire des Chekoula, dans l'histoire des chèques, de tout ça. Mais ces gens-là se retrouvent aujourd'hui autour du président. Est-ce un handicap où le président peut surpasser ces procès? Je vais embêter un peu mon ami Onyema lorsqu'il parlait de Salomon Escadela. Je suis content qu'il ait retrouvé son passeport congolais, mais il était avant-hier, je crois, ou la semaine passée à Rome. Lui qui n'avait pas de passeport, il a voyagé comment? La question de la nationalité congolaise aujourd'hui est une question qu'il faut regarder avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux. Il ne faut pas qu'on puisse se camoufler par rapport à cette réalité. Moi, je suis des gens qui estiment qu'aujourd'hui, cette affaire de la nationalité congolaise qui est exclusive, tout ça, on doit modifier cet article de la Constitution. Tenez, moi j'ai un frère qui est ambassadeur aux États-Unis, par exemple. Il arrive aux États-Unis au nom de la République démocratique du Congo. Il va là-bas avec sa femme. Ils font 2 enfants là-bas. Puisque les enfants sont nés aux États-Unis d'Amérique, ces enfants-là, qui un s'appelle Chibangu Kalala, l'autre Mujinga Wambombo, des noms typiquement congolais, et leur papa a servi le Congo comme étant ambassadeur aux États-Unis. Ils sont nés là-bas, ils ont la nationalité américaine. Pour rentrer avec leur papa qui est diplomate congolais, on leur demande un visa. C'est quand même assez insensé. Comment vous pouvez expliquer ça? Un Chimbombo Kalala et un Mujinga Wambombo, on lui demande un visa pour rentrer. Et son papa est allé aux États-Unis, non pas comme un Congolais lambda, mais il est allé là-bas comme ambassadeur de la République démocratique du Congo, au service du pays. Donc il est temps que le Congo puisse évoluer. Moi je crois que cet article de la Constitution, il faut le modifier, il faut qu'on prenne, il faut qu'on ait le courage de se dire finalement, cette histoire de nationalité exclusive, c'est une histoire caduque. Très bien. Il faut le faire avancer. Et je voulais réagir par rapport à la séparation avec Kabila, parce que là tu m'as pas... Oui, allez-y, rapidement, parce que je prends le rang aussi. Tu m'as pas laissé le temps. Oui. Le président Félix doit faire de son mieux pour se séparer de Kabila. Mais comment? Ça, je l'ai dit. Mais comment? Ou alors, s'il ne réussit pas à se séparer de Kabila, il faut que le président de la République fasse de son mieux pour imprimer son leadership sur Kabila, son clan et son système. Ça reste comment? Parce que, je vais donner... Infériorité numérique au niveau du Parlement, des assemblées provinciales, des gouverneurs, de la territoriale. Bah, finalement, il va faire comment? Je vais donner le chemin. Je vais donner le chemin. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, le mariage contre nature que Félix a eu, c'était important de le faire, sinon peut-être qu'il ne serait pas président de la République, entre l'UDPS et le FCC, nous a produit à la tête de la République des gens qui ne marchent pas sur la même longueur d'onde.
Vous avez un Kabila qui en 18 ans a détruit le pays, un Kabila qui a pillé le pays, et qui après avoir pillé le pays est dans la logique de la protection. Lorsque Laurent Nembe l'a dit, Kabila envoie 300 noms chez Nanga, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir le gouvernement pour se protéger. Et voilà comment il s'est battu pour avoir les ministères de la justice, pour avoir les ministères de la défense, la territoriale. Parce que Kabila est dans la logique de la protection. Voyez-vous, les anciens présidents de la République, qu'est-ce qu'ils font partout ailleurs? Ils vont dans des supermarchés en train de faire leurs courses, ils vont dans les stades. Lui ne peut pas aller parce que l'homme... Si, il a fait, hein, il a fait Kitambo, il a fait... Parce que dans le fond, l'homme, il s'est très mal aimé en République démocratique du Congo. Il sait que le Congolais ne l'aime pas. Alors, pour se protéger de tout ce qu'il a fait, il s'est organisé pour avoir le pouvoir. D'un côté, vous avez un monsieur qui veut se protéger, de l'autre, vous avez un Félix qui vient avec les vents de la rupture. C'est compliqué. Moi, je suis dans la logique de Laurent Nimba et de la logique de Monseigneur Ambongo qui dit, appelle la communauté internationale à aider Félix à fragiliser Kabila. Si Félix ne réussit pas à fragiliser Kabila au point de les bouter dehors, il faut que Félix fasse de son mieux pour que son leadership s'impose sur Kabila. Alors, mais Laurent Nimba, comment on va fragiliser quelqu'un qui a la majorité au Parlement? Comment on va arriver à fragiliser quelqu'un qui a la territoriale quasiment? Comment on va aujourd'hui descendre un milliardaire? Comment on va arriver à le faire? Bon, je vous remercie énormément. Je salue mon ami Perrault. Mais bon, écoutez, il n'y a pas un péché à discuter. Parce que c'est pour ça qu'on est, on est humain. Moi, je ne veux pas ici qu'on puisse dire qu'on stigmatise uniquement la diaspora. Je connais, moi je viens de la diaspora, j'en connais qui sont, et je profite pour saluer le professeur Jedi, il y a un professeur qui est congolais, mais qui est de Montréal, Jedi Daniel, qui est carrément un savant. J'ai rencontré d'autres Congolais, comme Kofi, et Papa Kofi au Canada, ils ont l'expertise, ils ont les chefs d'entreprise. Il y a Pascal Mubenga qui est un savant américain, si vous Congolais là-bas. Il n'y a pas uniquement que le fait d'être diaspora pour être médiocre. Mais le problème ici, c'est qu'on apprend les médiocres et on les amène ici. Nous, nous n'avons pas de problème de sapologie. Il ne faut pas venir nous parler ici des griffes. Ici, on a besoin, Kabila venant de partir, on a besoin de garçons sérieux qui produisent des textes sérieux. Moi, je vous donne un exemple. J'étais dans plusieurs cabinets ministériels. Qui a dit qu'il n'y a qu'un même modèle dans les lettres? Si vous faites un courrier à un ministre quelconque, vous allez voir, première phrase, j'accuse la réception de votre lettre. S'il y a référence, référencez tel, et vous en remercie. Deuxième paragraphe, il fait ensuite. C'est comme s'il n'y a plus de garçons sérieux qui peuvent écrire ces français-là. Vous avez vu Tshibala, Premier ministre, du temps de Mapon, vous pouviez, du temps de Matata Pogne, vous pouviez rencontrer un courrier avec autant de fautes de français. Ça veut dire qu'on a pris un prisonnier, on a fait de lui un Premier ministre pour résoudre un problème ponctuel. La question n'est pas à ce niveau-là. Et donc, moi, je me dis que ce n'est pas stigmatiser la diaspora. Vous allez très fort, on là, a plutôt besoin de voir une expertise de la diaspora qui vient participer justement à l'éclosion économique dans notre pays, mais pas une diaspora de pacotis qu'on a ramassé, pas qu'il a vendu je ne sais pas moi, des hamburgers ou de quoi que ce soit, quelque part sur un coin du monde. La question fondamentale de Salomon, moi, je suis heureux. Parce que à cette question-là, je ne peux pas répondre à mon ami Perrault. Le chef de l'État, qui a tous les services à sa possession, a répondu. Il a dit, je connais Salomon. Ce fut un ami. Il était même très proche de moi. Il est congolais. Alors, quoi de plus normal que je vienne le justifier aujourd'hui? Si vous parlez de ses déplacements, je vous rétorque un exemple. Vous savez que dans le monde entier a organisé ce qu'on appelle l'ONUS Causa. Par exemple, on a connu des gens qui sont devenus des docteurs ici, même si ce sont des universités sud-coréennes. Mais ils sont honoris causa. Donc, il y a des pays organisent justement des personnes qui ont investi dans ces pays, qui ont une certaine notoriété, et on vous donne des passeports dits diplomatiques ou des documents de voyage qui vous permettent de déplacer. Mais je vous dis que Salomon n'est pas autant que vous le dites. C'est un grand acteur politique, même s'il est silencieux. Il est aujourd'hui à la tête d'un parti qui est le PND, qui a 20 députés. Non, mais pour la première compétition. Je ne doute pas de ses compétences. C'est comme pour vous dire je me pose seulement la question sur son déplacement. Étant résident en Belgique, l'État belge lui a donné des documents qui lui permettent de se déplacer parce que sa situation est prise en charge par l'administration diplomatique belge. Je dis ceci, par l'administration, comme quoi il est exilé. Je n'ai pas cité passeport diplomatique. Oui, mais je dis, il est des documents. Alors, moi, j'ai un problème. Je m'informe beaucoup sur l'immigration. Oui, mais moi, j'ai un problème. La fois prochaine que j'arrive, je vais vous montrer des documents avec lesquels il se promène. Moi, j'ai un petit souci pour Salomon.
Comment Salomon, quand il n'avait pas encore ce passeport, c'était une grande gueule, il mettait en doute le pouvoir des Fatshi, sa capacité de trouver la solution, mais comme par hasard, parce qu'il a le passeport, Fatshi devient cet ange qui décrispe la situation politique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Écoutez, je ne suis pas tout de la communication de Salomon, mais à ma connaissance, et alors je le dis avec exactitude, personne ne peut me produire ici une vidéo ou un papier écrit par Salomon où il attaque personnellement Fatshi. Non, ça je ne l'ai jamais vu aussi. Ok. Il y a une interprétation. Moi j'ai suivi des gens qui ont attaqué les propos de Salomon et qui n'ont jamais contredit ces propos-là. Non, non, attendez. Ouais. Attendez. Les discours indirects. Les gens qui étaient proches. Les discours indirects est tout à fait difficile. Nous sommes très proches, vous le savez. Est-ce que c'est pour autant que tout ce que vous dites sur moi m'engage? C'est une dialectique scientifique élémentaire. Et donc, je ne vais pas monoposer la parole. On avance. Je dis que Salomon va revenir dans son pays. Bienvenue au pays. Mais c'est quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Tu sais, il y a une différence entre l'homme, ce qu'il est, ce qu'il fait, et la communication politique. La communication politique est dans un cas bien déterminé de quelqu'un qui estime être empêché de revenir dans son pays, détenant tous les droits. Ok, elle ne peut qu'aller dans ce. Alors, Laurent, dites-nous comment séparer Kabila de Félix Tshisekedi de Kabila. Alors, schéma. La question fondamentale sur la séparation de Kabila. Comment ça va se passer? C'est qu'aujourd'hui, j'ai dit que Félix n'est pas un chef d'État à temps plein. Félix, je le dis encore une fois, est aujourd'hui le patron de la transition congolaise. Parce que Kabila nous a punis. Kabila nous a sanctionnés. Tu sais, des garçons comme nous ici, j'ai fait un concours dans une administration, dans ce pays. On a dit, vous voulez engager Onyemba? On ne m'a pas engagé. On dit, il insulte Kabila. Parce que je n'ai jamais dit à Kabila qu'il a, tu as une grosse tête. Que je n'ai jamais dit à Kabila comme les gens, certains qui, avec lesquels il a travaillé par la fin, comme les Kisumbe, les Kambinga, qui ont dit qu'il était tout quand il était MLC. Mais moi, je n'ai fait que critiquer son action. Nous avons sacrifié notre jeunesse à cause du fait que nous devions défendre le Congo. Mais aujourd'hui, comment les séparer? Moi, je compte sur la communauté internationale. Félix est asphyxié. Vous connaissez un pays, on va nous citer la Belgique, qui a fait autant de temps sans gouvernement, mais la Belgique a une administration. Nous n'avons ni administration, ni gouvernement, et les tractations ont fait... Je ne sais pas moi combien. Huit mois. Et vous avez vu nos amis d'hier, ceux de chez vous, en Bola Lodge, comme de nouveaux juisseurs. Il faut qu'il y ait une commission internationale décidée au niveau du Conseil de sécurité pour venir d'abord mettre de l'ordre dans ce pays. Et je dis à Félix, ne te précipite pas sur des dossiers tels que la MONUSCO. La MONUSCO est uniquement à ta propre sécurité. Ne te précipite pas pour plaider des dossiers de gens dont vous n'avez pas l'emprise. Parce qu'il faut aujourd'hui aller à l'ONU, et je crois que ce qu'il fait, attention, Félix n'est pas aussi dur que nous le pensons. Aujourd'hui, nous regrettons ce voyage, mais demain, nous aurons une force mixte ici pour mettre Kabila dehors. C'est comme ça que je lui refuse à Félix, ou je refuse à Félix des mots comme « on ne peut pas fouiner dans le passé ». Ne pas fouiner dans le passé veut dire quoi? Ne pas fouiner dans le passé, ça veut dire ne pas s'y mixer, laisser la justice faire son travail. Tu sais, historiquement, une définition élémentaire, le présent sort du passé. Et le futur en endosse le dos. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous allons faire la justice. Celui qui fera la justice et la gestion de Félix, ce sera celui qui viendra après Félix. Et certainement Moïse Katumbi. Ah, donc c'est comme ça maintenant? Non, écoutez. Après les 10 ans de Félix ou après les 5 ans de Félix? Des choses que je vous dis. Il a dit qu'il était prophète, non? Des choses que je vous dis ici relèvent d'une analyse profonde. Ok, bon, on est en train de blaguer par moment aussi, entre amis. Ne pas fouiller dans le passé signifie que les millions qu'on a mis pour construire cette hutte-là des pavillons présidentiels, Félix ne peut pas demander qu'on puisse travailler. Moi, j'ai vu les gens me répondre sur les réseaux sociaux pour me dire « Félix, ce n'est pas magistrat ». Alors, je réponds aux amis aujourd'hui, je profite du micro de Christian pour vous dire. Quand vous commentez sur les propos de quelqu'un qui connaît la loi, il faut faire attention. Est-ce que vous connaissez pourquoi on a appelé le chef d'État les garants de la nation? Et le magistrat suprême? Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le magistrat suprême, même s'il ne dit pas le droit? Est-ce que vous savez pourquoi il est le commandant suprême? Ça signifie que c'est lui le guide. Et le mécanisme est élémentaire. Félix, s'il estime que telle personne, on a volé... Vous vous rappelez,
On a même fait un salon du numérique dans ces pays, alors que nous n'avons pas d'Internet. Ailleurs, partout, tu arrives à l'aéroport, comment tu communiques avec celui qui vient te chercher? C'est pas que le Wi-Fi est opérationnel. Angile, quand j'ai fait 6 aéroports de mon voyage dernier, ok, j'étais à Charlotte, j'étais à New York, je te dis que quand tu descends en Angile, c'est comme si tu descends dans une vaste forêt. Angile lui-même n'est pas opérationnel, en fait. Alors on va pas fouiller dans le passé, je termine par là. Ça veut dire oublier le dossier de la fibre optique. Oubliez le dossier de Foner, oubliez le dossier de pavillon présidentiel, oubliez le dossier de les 20 millions que Kimbout a laissé, oubliez beaucoup de choses. Mais en même temps, Pierre-Louis, on va terminer parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Il faut qu'on sépare Félix de Kabila pour permettre à Félix de laisser de l'ancrage, de laisser des signes. Il faut absolument qu'on l'accompagne tous. Et Félix doit donner. Et nous ne pouvons pas compter sur les magistrats de Kabila, ils ne feront rien. Si Félix veut qu'on puisse dire, ok, on ne s'occupe pas de vous, on va s'occuper des magistrats, alors nommez les nouveaux magistrats. Très bien. Alors, M. Perrault Louara, on va terminer. Perrault, est-ce qu'il est important aujourd'hui pour Félix de céder à la demande des Occidentaux, disons de l'Amérique? L'Amérique est un bloc à demander directement et frontalement l'arrestation immédiate de Kabila. Pour de fait citer dans Mamping, pour le fait citer de nos 89 fosses communes, et surtout pour la mort de je ne sais plus comment on les appelle encore, ces représentants des États-Unis, je peux me tromper, il y a des morts au niveau de Kamona Sampou, deux observateurs américains exactement étaient tués. Alors, il y a un groupe d'Américains qui estiment que Kabila doit payer, il est le responsable de toutes ces choses, si pas acteur, mais commanditaire. Mais Christian Boussembe, vous savez aujourd'hui si Félix arrête Kabila? Il arrête Kabila. Son taux de popularité, je ne sais pas. Si on avait des instituts sérieux, des sondages ici, Félix serait au top. Oui, mais la guerre aussi allait éclater. La guerre va éclater certainement. J'en viens. Et aujourd'hui, si Félix arrête Kabila, ça sera la joie pour les Congolais. La plupart des Congolais n'attendent que ça. Mais entre la volonté des Congolais, les souhaits des Congolais et la faisabilité de cet acte, aujourd'hui, Félix a-t-il le moyen d'arrêter Kabila? J'ai dit non. Parce que Kabila a encore suffisamment d'ancrage au niveau de l'administration, de l'armée, tous les hommes qui sont là sont des hommes de Kabila. C'est d'ailleurs pour ça que Félix a du mal à imprimer ses marques. Parce que aujourd'hui, la République, dans ce qu'il y a des services d'intelligence, des services de renseignement, tout c'est Kabila. Est-ce que Félix a la possibilité d'arrêter Kabila de lui-même et de se dire je peux l'arrêter? J'ai dit non. Mais Félix peut le faire s'il joue suffisamment bien avec tous les voyages qu'il fait à négocier avec la communauté internationale. Malheureusement, aussi dans le chef de Félix, peut-être que c'est une stratégie pour lui. Je le vois trop tendre avec Kabila. Félix, j'ai l'impression qu'il croit en la bonne volonté. Il fait la politique un peu à l'occidental. Et Félix, j'ai l'impression qu'il confond les terrains politiques au terrain ecclésiastique. Il a peut-être l'impression qu'il a affaire à son pasteur, le pasteur Roland Dallot. Il croit qu'il est à Philadelphie, dans son église, alors que nous sommes dans un terrain politique. Il n'y va plus. Non, il a une extension de Philadelphie chez lui maintenant. Rappelez-vous qu'il est allé là-bas deux fois, il y a eu des problèmes. Hein. Il a une chapelle. L'église a décidé de mettre en place une chapelle à la présidence chaque dimanche. L'église dépêche un pasteur de Philadelphie. Mais il y a une petite information. Joseph Kabila Kabong est arrivé une fois, c'est ce qu'on nous raconte, hein, ça peut être vrai ou faux. Il est arrivé à la présidence. Il devait attendre pendant longtemps parce que Félix était en train de prier. Et qu'après, quand il arrive, il dit à Félix, Monsieur le Président, ne mélange pas ces choses, tu tomberas rapidement. C'est ce qu'il lui a dit en riant. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai. Les militaires qui nous ont dit que eh bien, le Président a dit à Kabila en jouant, en blaguant, en disant, ne mélange pas ces choses. Si c'est vrai, Kabila doit comprendre que Félix est Président de la République, qu'on ne débarque pas chez le Président de la République comme ça. Le Président de la République est géré par un protocole, le Président de la République est géré par un agenda. Mais il arrive quand même, il attend. Le gars priait. Il débarque pas chez le Président de la République à sa guise. Félix est Président de la République, il lui doit du respect, il ne doit pas débarquer chez lui comme ça. Donc, tu as même délayé ma pensée, on revient sur cette affaire des séparations, justement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Félix ne peut pas arrêter Kabila si les États-Unis d'Amérique ne l'aident pas. Aider Félix aujourd'hui, moi je l'ai dit, j'opte pour l'option de Monseigneur Ambongo qui est allé plaider à la communauté internationale pour que cette communauté aide aujourd'hui Félix en fragilisant Kabila. La communauté internationale a la possibilité de mettre une machine en marche pour que Kabila se sente suffisamment fragilisé et qu'il laisse Félix le temps de travailler pour le Congo. Laurent Nyemba, je vous pose cette question en tant qu'avocat. En tant qu'avocat et surtout en tant que quelqu'un de très lucide dans le droit, dites-nous. Comment on peut arrêter Kabila pour le fait qu'il n'a pas commis directement? Pourquoi jusque-là, aucune ONG ne porte plainte
de façon claire dans une institution internationale pour impliquer Kabila dans d'une manière ou dans une autre. Est-ce qu'aujourd'hui la faisabilité de l'arrestation de Kabila est envisageable? Bon, écoutez, d'ailleurs, moi j'ai déjà dit, j'étais à l'émission de Bibi Kapinga à son temps, quand j'ai dit que Félix va arrêter Kabila. C'est aussi notre prophétie. Je l'avais donné aussi la prophétie. J'ai dit ceci. Félix va arrêter Kabila. Mais moi, je ne suis pas arrêté dans un schéma arrêté pour arrêter. Qu'est-ce que je voulais dire? J'explicite ma pensée. Que le jour où le décor va se planter et Kabila est identifié comme responsable d'une attitude, d'un comportement, d'un fait infractionnel et qu'il devra répondre devant un juge, s'il doit aller en prison, Félix ne va rien faire. Félix a peur parce que Kabila a donné l'impression qu'il lui a donné le pouvoir alors qu'il n'en était pas le cas. Félix a peur parce qu'il n'a pas le contrôle de l'armée. Il y a des gens que Kabila lui a laissés, ok, dans tous les pays du monde, quand tous les pays apparentés à notre situation. Je ne parle pas de la France parce que aux États-Unis, quand un chef d'État arrive, il trouve une administration militaire sérieuse qui s'incline et qui suit ses ordres. Mais dans le cas d'Afrique, même M. Yahya Jammeh, même M. Burkina, quand on prend la garde républicaine, on la change. On en fait une unité permanente ailleurs et elle va commencer à aller à la caserne et faire autre chose. Il faut changer l'armée. Mais vous ne pouvez pas me dire que ce sont les mêmes qui étaient avec Kabila hier, même si je vous donne des informations, les militaires se disent, mais aujourd'hui, ils sont un peu contents. Hein. Exactement. Tu as vu l'école de Khan Tchatchi? Tu as vu ça? Même à Katakokombe, chez moi, il n'y a pas une école comme ça. Aujourd'hui, les enfants militaires peuvent étudier dans de bonnes conditions. Dans des salles climatisées. Est-ce que tu sais qu'un enfant militaire, il y a des militaires qui prennent dans ces pays des jetons dits rouges. Ils prennent 23 000 francs. Si tu vois la route, l'avenue tourisme, tu vois la majorité des terrasses qui sont sur cette avenue, ok, est tenue par des militaires qui ont des jetons verts, qui prennent 47 000 francs congolais, qui ont 7 enfants. Tu sais, hein, quand quelqu'un a été assermenté comme nous sous le drapeau et qu'il tient une arme, vous apprenez qu'un militaire a tué quelqu'un hier, oui, on va bien regretter la mort de celui qui est parti, mais par moment, comment on peut donner une arme avec 50 cartouches à quelqu'un qui n'a pas 1000 francs pour nourrir cet enfant. Très bien. On va dans, en criminologie, il est possible de justifier ce comportement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je termine par là, j'ai commencé. Félix, le jour où Kabila a établi qu'il a été, il a posé un acte délictuel, il va l'arrêter. Donc là, il faut attendre aujourd'hui d'avoir posé un acte ou par rapport à son passé. Moi, je veux savoir, juridiquement parlant, est-ce que... Il fait une plainte. Moi, je veux savoir, parce que c'est ça le sens de la question, maître Laurent. Je dis ceci. Quand vous dites qu'il pose un acte, là, on fait l'action à posteriori. Je m'explique. Je vous ai dit que, politiquement, Félix est en difficulté, parce que l'impression que Kabila et la Kabylie ont donnée, c'est que Félix n'a pas gagné les élections, Nassani. Et donc, il est en difficulté, la Gozongilaye. Deuxième chose, je dis, comme il y a dans ma pinga lélo, parce que même si on fait un mandat d'amener, ce n'est pas un pasteur qui vient te prendre. Ouais. Ce sont des militaires et des policiers qui viennent te prendre. Mais si c'est compliqué. Mais ces gens-là ont encore des autorités, des ordres qui reçoivent des Néhémie et des autres. Ça ne marchera pas. Souvenez-vous de ce colonel. Maintenant, c'est pourquoi je t'ai dit que si il arrive que ces questions sont levées, par exemple une justice africaine, ou à l'ONU, ou une Cour internationale des droits de l'homme, décide aujourd'hui qu'on enquête, il y a des dossiers. Kamena Sapou, c'est très important, il m'a interrompu. Kamena Sapou, les Enyélé, les Mboudou Diamayala, les événements 19, 20, 21, il y a des dossiers sales. Vous vous rappelez d'Éric Lengue, vous vous rappelez de Mukungu Mbile. C'est des dossiers très importants. Mais pour que cela se déclenche, il faut l'accompagnement de la communauté internationale, il faut l'accompagnement de tout le monde. Mais la volonté politique peut y être, ne comptez pas sur ces parquets, le parquet est mort. Rappelez-vous des dossiers de Katumbi, de Mboudou Diamayala, Mboudou Diakongo, tous les autres. Il y a eu des informations judiciaires. Très bien. Kabange, vous comptez sur Kabange? Je vous donne une info qui est confirmée. Il y a aujourd'hui un dossier qui dérange Kingakati,
C'est un groupe de généraux, ça je peux vous donner l'information, mais qui n'est peut-être pas encore confirmé. Les généraux qui sont allés voir Félix Tshisekedi sans consulter les généraux d'état-major, on les a tout de suite catalogués des généraux kassaïens qui sont allés voir Félix Tshisekedi pour lui demander de leur donner confiance, de leur faire confiance. Et il paraîtrait que Félix Tshisekedi les avait reçus, mais ne leur avait pas donné encore l'opportunité. Disons, n'avait pas répondu à toutes leurs questions. Ils ont eu un programme, tu revois après, et l'information est arrivée à Kinakati. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. On l'entendra peut-être dans 2 ou 3 semaines. Certains généraux auront des petits soucis. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. On ne sait pas encore si c'est vrai. Là aussi, c'est une prophétie. Bon, ce sont des informations qu'il faut vérifier. Je vous rappelle encore qu'il y a un colonel qui a été abattu, Andy, simplement parce qu'il a demandé à un militaire de saluer avec honneur Kabila. Et que ce monsieur a profité de cette affaire pour abattre le colonel en disant que Aebisaki Bisotope, sa colonel Kabila, mbote, le colonel Mokondi, alors que Mokondi a monté mon sous. Bon, et puis après, on a dit que c'était un Moulouba qui l'a fait. Et on a compris après que c'était pas un militaire Moulouba. Bon, un mot de la fin, Laurent Onyemba, par rapport à l'émission qui vous reçoit. Bon, je suis très heureux très heureux de venir ici. Bon. Je promets aux amis que je serai le plus permanent possible. Il faut dire que c'est toujours difficile d'arriver au centre-ville. Mm. Mais à des heures de pointe, mais je promets aux amis que je serai toujours là. Maison, bon, écoutez, je suis chez moi, mais écoutez, Serge, je ne peux pas partir. Pas plutôt, Christian, tu sais, on est toujours amis, en famille, tout ça, c'est toujours difficile. Mais écoutez, cher ami Christian, je suis très fier de vous. Continuez le combat. Merci. Mais moi, je dis aussi à la diaspora, des gens qui nous aiment, qui font le nombre de vues, est-ce que vous ne pouvez pas partager des émissions où les gens discutent des choses du Congo? Pas seulement, Pero Afrika Kilora Onyemba, Babé Limoisi, 40 000 vues. Mais aussi, on a la question à Senga Sengaka. Parce qu'ici, il n'y a personne qui va donner du travail. Mais vous avez des moyens. Vous aimez l'émission. Vous êtes à Charlotte. Vous êtes, je me rappelle encore Maman Kémambo qui vous a salué. À partir de Charlotte, je ne sais pas si il va suivre. Maman Kémambo, Maman Esther Onyemba. Vous avez quelque chose à donner. C'est la diaspora, ça. Envoyez quelque chose. Envoyez quelque chose à Christian et soutenez ces jeunes. Au lieu uniquement de faire des commentaires dans le froid. Sur non, nous sommes ici dans la chaleur. Ce n'est pas facile de parler comme ça et de prendre son volant et de partir. Et donc, le soutien, je demande vraiment qu'on vous soutienne. Il ne faut pas seulement que vous... Quand vous insistez sur l'argent, ça donne l'impression... J'ai trouvé une émission comme ça en Europe. Il y a un Congolais qui fait une émission avec un drapeau. Mais quand il demande beaucoup plus d'argent, parce qu'il cite même le nom des gens qui ont donné l'argent. Pérouawa, 30 livres. Ce n'est pas élégant. Alors, on veut bien, merci beaucoup. Mais alors... je crois au Congo, je crois à Fatshi. Aujourd'hui, pour que je reste dans l'opposition républicaine, mais je pense qu'il faut qu'on accompagne Fatih pour couper le cordon avec Kabila en vue de construire notre démocratie. Fatih est en train de consommer sa transition. Péro Loara. Ça a été un grand plaisir, hein. Christian Bossembe. Tu sais qu'à chaque fois que tu auras besoin de moi, tu peux compter sur moi, je reviendrai. J'étais très fier d'être là avec Laurent Onyemba. Pour clôturer, je vais tout simplement lancer un message et dire aux personnes qui m'appellent. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise par rapport à ce combat. Oui, parce que par rapport à ce combat, il y a quand même des menaces déjà. Il y a des gens qui t'appellent pour te dire yo, comment on a, tout ça. Ils disent que Oliambo wa Kabila, Bosalala Kabila, Bozeli Kabila Longa. Je rappelle aux gens qui nous suivent que Kabila a été président de la République, à Digital Congo, j'ai travaillé, je suis parti parce que j'avais 15 mois d'arriéré des salaires. Félix n'a que 8 mois. Kabila a été président de la République. 15 mois d'arriéré des salaires. Moi, j'ai quitté Digital Congo. Digital n'avait plus de caméras. Et aujourd'hui, faites un tour à Digital Congo. Digital n'a plus de caméras. Donc, rassurez-vous, quand ils disent que Bozelaï Kabila, Longwa, tout ça, Boliambo à Kabila, mais attendez, je travaillais. Même les salaires plutôt, que Kabila et sa famille me devaient, je ne l'ai pas eu. J'ai eu 15 mois d'arriéré des salaires. Donc, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est tout simplement un combat pour défendre le droit et les valeurs. Donc, les menaces des morts, il y a des gens qui t'appellent pour te dire, tu verras, Kabila n'est pas encore fini. Moi, mon problème, ce n'est pas que Kabila soit terminé ou pas. Mon problème, c'est le respect des contrats et des droits. Je défends les valeurs, je défends mes droits. Il faut que Mme Jeannette Kabila se saisisse de cette affaire et qu'il décompte la situation. Parce qu'à Télé 50, qui est également une chaîne proche de la Kabylie, c'est Moïse Kanga qui a décanté la situation. Et il est PCA. C'est lui qui a payé le décompte final des gens. Vous n'allez pas me dire que Moïse Kanga a plus de moyens que Mme Kabila et que Moïse Kanga peut décanter la situation en Télé 50 alors que Mme Jeannette Kabila ne peut pas le faire. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai toujours dit, hein, je donne les numéros. Même moi, là, je suis détruit partout. Les gens m'insultent. Il y en a qui disent Christian Sotoye, que t'entends trop bien la Fatshi. T'auras bien la peine à eux. Bon, moi, je vous attends. Venez nous chasser parce que là, comme on a l'impression de soutenir Fatshi pour rien. Il y a d'autres qui estiment qu'on est la mouquiste. On ne quand même pas et tout. Non, bisous de Congo, caca. Alors, Laurent Onyemba, la coutume de cette émission, c'est qu'il y a des gens qui veulent poser des questions. Est-ce que vous pouvez leur donner vos coordonnées?
tout en sachant que ce qui va vous arriver, c'est pas moi l'auteur en tout cas. Bon, écoutez, je suis habitué de donner mon numéro pendant la campagne. Mon numéro, c'est le plus 243 84 11 88 11 4. Plus 243 84 11 88 11 encore et puis 4. Mais je souligne que je ne prends pas des appels. Je ne lis que des textos et j'apprécie de l'opportunité de vous rappeler. Ça avec mes unités. Donc si vous m'appelez, je suis désolé, je ne vous prendrai pas, mais si vous m'écrivez, je vais répondre. Non, mais on est dans surtout une... si vous allez sur WhatsApp, ouais. C'est beaucoup plus simple. On est dans une insécurité terrible. Quand on t'appelle, tu as même peur de prendre l'appel. Tu dis, mais je tomberai sur quelqu'un qui va déranger ma journée. Et ils disent que Christian et Marceau téléphone. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui insultent et beaucoup de gens qui veulent te prendre 45 minutes en train de raconter et tu ne sais vraiment pas de quoi ils veulent parler. Alors, Perrault Loire, la même chose. Plus de 100. Ne crains pas. Donc, non, moi je suis un soldat. Ouais. C'est pas. Plus de 100, 43, 9. 98 19 52 49. Donc 09 98 19 52 49. C'en est fini. Merci d'avoir été nombreux. Merci à Laurent Onyemba. Merci à Perrault Loire. Merci à toute l'équipe congobeuse. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC.